Voilà, bonjour à tous. On se retrouve pour un tuto sur la respiration. La respiration, c'est la base du mouvement. C'est également la base de toute technique de relaxation. Et c'est très important de savoir respirer également dans le bon sens. Hein, peu de personnes, on est souvent en inverse de commande respiratoire. Donc, c'est très important de se mettre dans un bon sens de respiration. On pose les mains sur le ventre, première zone de respiration, et ne commencez pas par inspirer, hein. Commencez au contraire par vider, expirez même s'il y a très peu d'air, hein, donc vous expirez bien, contractez légèrement le périnée et les abdos, et à l'inspiration, voilà, le ventre naturellement se détend, un petit peu comme une éponge hein, qui se déplie, et à nouveau, donc expirez, soufflez doucement, appréciez ce massage hein, avec les abdominaux et le périnée. Hein. Inspirez. Expirez. À l'inspire, l'air rentre vers le fond du corps. Les abdos se détendent. Et à l'expire, le périnée se contracte et l'air ressort. Hein. L'air est expulsé hors du corps. À l'inspire. À l'expire. Parfait. Vous déplacez les mains au niveau des côtes. Voilà. Écartez bien les doigts. Sentez votre thorax. Et là, vous commencez à nouveau par expirer là où vous en êtes. Hein. Vous videz. Les côtes s'abaissent, le ventre se rend. Et à l'inspiration, donc le ventre gonfle. Et les côtes mobiles s'écartent sous les mains, sous les doigts. Vous pouvez même fermer vos yeux et sentir ce qui se passe dans votre corps. Donc, on sollicite l'ouverture thoracique, l'entraînement aussi du muscle cardiaque. Sollicite ce deuxième étage respiratoire. Donc, hein. À l'inspire, l'air descend et à l'expire, l'air ressort de mon corps. Voilà. La vague arrive, donnez-vous des images et la vague repart. Parfait, déplacez les mains au niveau sous-claviculaire, à la base de votre cou, le bout des doigts se touche. Inspirez, fermez les yeux, le bout des doigts s'écarte, expirez, le bout des doigts se rapproche. Parfait, ouvrez tranquillement les yeux, placez une main à la base de votre cou, l'autre main basse, voilà, base des abdominaux. Et on va commencer, comme je disais, en expire. Donc là, même s'il y a très peu d'air, vous soufflez, vous engagez votre périnée, vos abdominaux. Et après, on démarre une grande inspiration avec les trois zones bien complètes. Et expirez, voilà, le périnée se contracte, les côtes s'abaissent et l'air ressort. Continuez à votre rythme, peut-être en fermant les yeux, inspirez et expirez tranquillement. On appelle ça la respiration complète, donc avec les trois zones de respiration. Les trois étages, donc l'air passe dans ces trois étages respiratoires. Parfait. Vous pouvez relâcher, faire des respirations naturelles. Merci de votre attention. Essayez d'avoir le plus souvent possible une respiration consciente, base de la relaxation, ça évacue la fatigue, ça nous met dans un état d'être extrêmement positif pour toutes nos journées, ça enlève la fatigue. Donc le cadeau, c'est la respiration.